Vous êtes sur InfoLive TV, les informations vous sont présentées par Benny Sambert. Ouvrons cette édition avec de nouvelles images satellites publiées par le New York Times ce vendredi et confirmant que les autorités syriennes ont masqué les traces de ce qui ressemblait à un réacteur nucléaire, là où le raid israélien du 6 septembre s'est tenu. Selon le quotidien new-yorkais, il n'y aurait plus de traces d'un éventuel réacteur nucléaire. Le diplomate palestinien Saïd Barikat exhorte la communauté internationale à faire pression sur Israël.